Bonjour! On a un nouvel animateur avec nous. Il s'appelle Samy. Oh, il n'y a pas beaucoup d'être là. Okay. Bonjour tout le monde. Merci. Oh. Alors, okay. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 5 de Influence TV. Déjà l'épisode 5. J'espère que vous êtes contents d'être avec nous parce que nous, on est vraiment contents. Oui. Influence TV, c'est quoi? C'est l'émission pour tous les jeunes de 13 à 17 ans de l'Église MCI Canada qui font partie du réseau Influence. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez maintenant partager le lien et l'envoyer à vos amis. Oui, écoutez, gang, c'est le fun. Aujourd'hui, on a une émission très chargée. On a 4 segments. On va commencer avec le beat de la semaine et on a comme un invité spécial pour le beat de la semaine. Une petite twist. Je vous donne pas plus de détails, mais je sais que vous allez apprécier. Après, on a la question existentielle, t'es pas game et les combos douteux. N'oubliez pas, on vous demande de participer dans les commentaires naturellement, mais c'était respectueux. Si t'es en bas de 13 ans en ce moment, t'es en train d'écouter ça, sois juste certain que tes parents sont au courant. Puis on vous demanderait également de ne pas partager d'informations confidentielles dans les commentaires. On tient à votre sécurité. Qu'est-ce qui s'en vient? Sans plus tarder, on commence avec le beat de la semaine, avec un invité spécial, et je vous laisse voir c'est qui. What's up guys? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez aimé le beat de la semaine passée, qui était God with us. Fait que pour cette semaine, mesdames et messieurs, j'espère vraiment que vous êtes prêts. Le titre de la chanson est Mon Roi. Cependant, cette semaine, il y a une très belle spécialité. L'artiste qui chante cette chanson-là va se présenter à vous. Et cette personne-là va aussi elle-même vous parler de son beat. Donc, j'espère vraiment que vous êtes prêts à accueillir avec moi l'artiste de cette chanson, vraiment. Aidez-moi à accueillir, s'il vous plaît, écrivez dans le clavardage des mains d'applaudissement pour accueillir, mesdames et messieurs, Vini Emmanuel Mbouyi! Alors, c'est Vini, notre artiste vraiment de cette semaine. Donc, Vini, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne savent peut-être pas t'es qui, on aimerait ça peut-être que tu te présentes à nous. Alors, dis-nous un peu, qui es-tu, Vini? Merci beaucoup. Merci, Anna. Merci à Influence TV pour l'invitation. Je suis vraiment honoré. Merci. Donc, si je peux me présenter un peu vite fait, comme tu l'as si bien dit, moi, mon nom c'est Vini, j'ai 22 ans. Je suis leader dans l'équipe principale du réseau Echo et je travaille donc avec ma chère et tendre Inès. Come on! Oh, ok, Inès! Inès! Ok, donc toi, t'es dans le réseau Echo de l'église MCI. Par contre, il y a juste une chose, peut-être que t'as oublié de mentionner. T'es batteur à l'église. Tu fais partie du groupe de louanges, tout ça, de l'église. On aimerait ça peut-être que tu nous en dises un peu plus sur ton parcours musical. Ok. Ben moi, je suis batteur. Effectivement, comme tu l'as dit, je suis batteur. Mon parcours musical, si je peux l'expliquer brièvement. Moi, depuis que je suis petit, vous pouvez demander à ma famille. J'ai toujours eu cet instinct de prendre deux articles, deux trucs qui sont formés comme des baguettes, comme des crayons, des pailles. Et je frappais tout le temps, tu vois. Et puis, par la suite, j'ai grandi, et à 12 ans, j'ai intégré le groupe de louange à l'église. Donc, j'avais été voir Nadège, la responsable de la louange dans ce temps-là. J'avais été la voir, j'ai intégré le groupe de louange. Et par la suite, Dieu m'a déposé encore d'autres dons, que ce soit le piano, la guitare basse, la guitare acoustique électrique. Donc, c'est ça, c'est ce que je peux dire. Ok, waouh, pour vrai, amen. On peut voir que la musique, ça faisait vraiment partie de toi depuis que tu étais petit. C'était dans ton sang, c'était en toi. Puis là, ben en fait, tu sais, t'as grandi, puis je sais qu'en grandissant, t'as été dans une école au cégep de musique. Et moi, je serais curieuse de savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir de faire de la musique ta carrière? Puis de prendre même ce tournant de vie-là, si on peut dire ça comme ça. Ben, ce qui m'a poussé à faire, si je peux dire, ce choix de carrière, j'ai compris assez jeune en fait que les dons que Dieu me donne, ils sont pas pour moi, tu vois. Donc, j'ai compris que, tu vois, un arbre peut pas manger de son propre fruit. Il est fait pour le donner aux autres, tu vois. Donc, j'ai compris aussi jeune que ce que j'ai, il faut que je le donne. Surtout que je sais que ce que j'ai ne vient pas, ça vient pas de mes capacités à moi, ça vient pas de mes connaissances à moi. Parce que oui, j'étais dans une école de musique, mais c'était une école de musique où on apprenait vraiment l'audio, le studio. Donc pas de théorie musicale, mais tout ce que je connais au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un don que Dieu m'a donné, tu vois. Et je sais que je devais semer ça dans le royaume de Dieu pour que je puisse récolter encore des fruits, tu vois. Donc quand j'ai semé mon don, par exemple, de la batterie,
Mais c'est comme ça que par la suite, j'ai récolté aussi la guitare, la basse, le piano, etc. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, c'est quoi? En fait, Dieu m'a donné, il faut tout simplement que je redonne. Kate, waouh! Waouh! Amen! Honnêtement, comme, tu sais, t'aurais pu décider de, avec tous les dons et les talents que Dieu t'a donné, t'aurais pu décider d'utiliser ça à ton propre avantage, puis comme de toi-même te rendre famous, mais t'as décidé d'utiliser ça pour Dieu, puis de semer ça dans le royaume de Dieu. Puis, tu sais, comme, on peut voir que dès maintenant, là, tu commences déjà à récolter. T'as déjà un album de sortie. Le titre de l'album, c'est « Il est ». Fait que juste avant, là, de parler du beat de la semaine, qui est mon roi, guys, juste pour faire une parenthèse, son album « Il est ». Moi, je vous conseille vraiment d'aller écouter tout l'album. Parce que le titre, c'est « Il est », mais tu sais, toutes les chansons, ça a comme des liens. C'est comme tout, ça fait un tout en fait l'album. Vraiment guys, tout son album est bon. So, c'est ça pour cette semaine, le beat c'est mon roi. Fait que j'ai fini justement. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer pourquoi t'as choisi de mettre cette chanson-là dans ton album? Qu'est-ce que cette chanson-là signifie pour toi? Puis peut-être aussi, c'est quoi le message que tu voulais transmettre en mettant cette chanson-là dans ton album? Dans le fond, cette chanson-là, ce qu'elle signifie pour moi en fait, c'est tout simplement que Jésus soit vraiment le roi dans tous les domaines de ma vie, tu vois. Que comme Jésus a fait cette prière, que son règne vienne, de la même manière que je demande en fait à Dieu de régner sur ma vie, à moi et dans tous les domaines de ma vie. Que lui puisse être au contrôle de tout ce qui se passe dans ma vie et qu'il puisse être le gouverneur de ma vie, tu vois. C'est une chanson que vous allez voir pour ceux qui l'ont écoutée ou pour ceux qui l'écouteront. C'est une chanson qu'on chante, tu vois, à l'église, on connaît déjà la chanson, etc. Mais je voulais que, en fait, pour moi, c'est une prière, en fait, que son règne à lui puisse être dans ma vie, à moi. Parce que je sais que si son règne est dans ma vie, tout peut aller pour le mieux. Yes, j'aime vraiment ça. Amen. Fait que, guys, vraiment, pour le but de cette semaine, comme Vinny l'a dit, tu sais, c'est pas lui qui a écrit cette chanson-là, mais il a quand même décidé de la mettre dans son album. Parce que, comme il dit, pour lui, c'est une prière de tous les jours. C'est la prière de sa vie, si on peut dire. Fait que pour moi, je vous incite vraiment cette semaine, je sais que vous allez écouter la chanson, justement que vous aussi, ce soit votre prière à vous, puis que ce soit une prière à nous tous en fait, que Jésus puisse être le roi de nos vies, que pendant que vous écoutez ça, vous l'invitez à régner, à diriger votre semaine, à diriger chacune de vos journées, à ce qu'il soit le roi, à ce que ce soit lui qui vous gouverne, et que sa volonté se fasse en fait. Et que ce soit vous aussi la prière de votre cœur quand vous allez écouter cette chanson-là. Donc voilà, vraiment... Vinny, un gros merci de nous avoir partagé ton parcours, de nous en avoir partagé plus sur toi. Guys, j'espère vraiment que ce qu'il nous a partagé, ça vous inspire autant que moi, ça m'inspire. Moi, je me dis que si ça a été possible pour lui, c'est possible pour chacun d'entre nous. Il a décidé de semer dans le royaume de Dieu, puis aujourd'hui, on voit comment ça porte fruit. Donc, ça, il suffit juste d'être obéissant, de faire confiance à Dieu, puis il y a une destinée pour chacun d'entre nous. Tu sais, comme, juste faire une petite mention que Vinny, dans le fond, il a 22 ans, mais vous comprenez, il est fiancé, là, avec Inès, là, il est fiancé. Il a son album tout, là, vous comprenez? Donc, voilà, c'est vraiment une inspiration. Merci beaucoup, Vinny. Aussi, sachez que c'est le frère de Divine. Donc, Divine, qui est dans notre réseau, la fille qui avait chanté, qu'on avait mis son enregistrement dans l'épisode 3. C'est son frère, donc on voit vraiment que c'est dans le sang, la musique. Juste avant de te laisser partir, Vinny, moi, j'aurais une dernière question, OK? Est-ce que tu pourrais comme peut-être nous donner un petit preview? Genre, t'as-tu comme un beat en chemin ou comme un album sur lequel tu travailles? Est-ce que comme tu pourrais me donner un petit preview? Mais c'est sûr que oui, je travaille sur des petits projets qui s'en viennent entre nous, hein. Genre, pour ceux qui savent, j'ai sorti un Afrobeat 1. L'Afrobeat il y a un an, deux ans, 2018. Il y a deux ans. Mais j'ai mon Afrobeat 2 qui s'en vient, donc c'est ça, quoi. Oh, OK! Chaud, chaud! On a très, 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 très hâte d'écouter Afrobeat Part 2 qui s'en vient. Fait que voilà, que Dieu te bénisse. Merci à tous, merci à Influence, merci Anna. C'était un grand honneur d'être sur le plateau. Much love, God bless. C'est tout pour le beat de cette semaine, guys. Bonne écoute, that's it. Come on us.
Merci beaucoup, Anna, Vini, c'était vraiment très intéressant. C'est le fun de voir que tu as décidé de pas juste garder ton talent pour toi, tu as décidé de le donner à Dieu, puis ça, ça t'a ouvert d'autres talents, puis ça l'a glorifié Dieu. Good job, Vini, on apprend beaucoup de ton témoignage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, Mario? Donc, qu'est-ce qui s'en vient? C'est la question existentielle qui va être expliquée par David. J'ai vraiment hâte que vous écoutez cette explication. Puis en plus, on a déjà un avant-goût de la question de la semaine prochaine, donc stay tuned parce que ça va vraiment être intéressant. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre semaine de questions existentielles. Cette semaine, on se pose la question « Pourquoi l'univers existe-t-il ou comment l'univers s'est créé? » Alors, une réponse scientifique n'existe pas. On va se voir la semaine prochaine. Au revoir. C'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que je veux dire par une réponse scientifique qui n'existe pas? C'est que ça ne peut être ni démontré, ni prouvé à tout moment. Quelque chose qui peut être prouvé, par exemple, c'est la gravité. Alors, si je prends mon téléphone, je le laisse tomber, et voilà, c'est prouvé. Et si on pousse un peu plus la question de la gravité, peut-être vous posez la question, mais les avions, ils font comment pour tenir? Pourquoi ils tombent pas, eux? Alors, cette semaine, on a eu le plaisir de pouvoir avoir une réponse de Mathieu, le bon ami de l'équipe de louanges MC Canada. Hello, Mathieu! Mathieu, c'est un ingénieur mécanique spécialisé en fabrication d'aéronautique. Et voici sa réponse. Le principe essentiel en aéronautique, c'est le théorème de Bernoulli. C'est un théorème qui relie la vitesse d'un fluide dans un milieu donné à sa pression. C'est par ce théorème qu'on explique que la pression sous l'aile d'un avion est plus élevée que sur le dessus de l'aile, parce que la vitesse du fluide est plus faible sous l'aile que sur le dessus à cause de la forme. Avec une plus forte pression sous l'aile, ça crée une force vers le haut, appelée portance, qui vient s'opposer à la force créée par l'accélération gravitationnelle. Wow, j'ai rien compris. Si t'es comme moi, il faut décortiquer ce texte. Peut-être aller voir un YouTube vidéo sur la gravité, qu'est-ce qu'il explique. Merci Mathieu, on apprécie tellement ton explication. Thank you! Mais en gros, tu as compris que les avions volent, alors c'était juste ça l'idée d'une explication. Et là, on va retourner à notre sujet. Alors, comme j'expliquais au début, il n'y a pas de réponse scientifique qui va répondre exactement à 100% avec certitude comment l'univers a été créé. Alors, il y a quelques théories, en voici trois. Numéro 1, c'est que l'univers a été auto-créé par elle-même, auto-généré, qu'il n'y avait rien au début et que soudainement, boum, il y a un univers et tout s'est créé. Alors la deuxième théorie, c'est que l'univers préexiste, il est éternel, c'est-à-dire que la Terre et tout l'univers ont toujours été là. On appelle ça le cosmos. Et numéro 3, qu'une force préexistante et éternelle extérieure à l'univers ou au cosmos, c'est-à-dire Dieu, a fait jaillir l'univers. Ces trois théories sont tous très intéressantes, très respectables, et ça demande à l'individu de prendre un choix. Et pour te guider dans ton raisonnement, j'aimerais te présenter quelques faits. Alors, pour la première théorie, deux gros problèmes. Premièrement, c'est la loi de la causalité et la loi de la non-contradiction. En gros, je ne veux pas te compliquer tout ça, mais il faut croire que tout a été créé par hasard. Et qu'on est arrivé ici, sur Terre, dans l'évolution, et tout par hasard. Et aujourd'hui, on communique à travers la technologie, à cause de l'hasard, et on est capable de avoir des sentiments, de aimer, de haïr, et c'est tout par hasard. Alors, comme vous voyez, cette théorie demande beaucoup de foi pour pouvoir croire dans quelque chose qui est sorti de rien. Alors, ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, très populaire en soi, ça dit que, en gros, que le cosmos a toujours existé et qu'il va toujours être là également. Le problème avec ça, c'est que cette théorie n'est pas prête à admettre qu'il y a dû avoir un début, quelque chose qui a commencé le tout. Et les gens qui croient dans cette théorie, ben, en fait, ils croient dans ce qu'ils voient seulement. Alors, s'ils voient, ils croient, s'ils ne voient pas, ils ne le croient pas. Et l'univers qu'on habite nous démontre que ce n'est pas éternel, qu'il y a toujours un début et une fin. Une vie, une mort, et que rien n'est éternel sur cette terre. Alors, gros problème avec cette théorie. Et la dernière théorie, la théorie du créationnisme. L'univers a été créé par un être préexistant, un dieu, le dieu suprême, le dieu vivant. Et ça demande de croire qu'il y a un dieu qui a tout créé, qui nous a créé, qui a créé l'univers, la terre, et tout ce qu'on voit. Alors, c'est qu'est-ce qu'on croit, les chrétiens? Alors, si tu posais la question, créationnisme. Ça donne la gloire à Dieu dans tout ce qu'il a fait, et ça démontre que Dieu est suprême, que c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui a tout créé. C'est ça pour la dernière théorie. Et peut-être tu te dis, c'est magnifique, David, alors Dieu a tout créé, mais qui a créé Dieu? J'adore cette question, et comme une bonne émission qui finit trop vite, on va devoir répondre à ça la semaine prochaine. Alors, à suivre. To be continued. Que Dieu vous bénisse, on vous aime beaucoup, et à la semaine prochaine. Ciao! Merci beaucoup, David, encore une fois, pour tes explications qui sont toujours très claires. On a vraiment hâte d'apprendre la réponse pour la semaine prochaine. Soyez sûrs d'être connectés pour en savoir davantage.
Ensuite, on y va avec T'es pas game, et aujourd'hui, c'est avec Daishan qui va faire un défi assez particulier. Mm-hmm. Du sport. On va dire ça comme ça. Ouais, du sport. C'est du sport. On écoute ça. Salut tout le monde, bienvenue au segment T'es pas game. Mon nom c'est Daishan, je fais partie du réseau Influence, je suis leader Influence et je suis prête à relever le défi. Ok oui, je suis très 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 game, ok? Donc le défi d'aujourd'hui c'est d'essayer d'enfiler 50 chandails. Oui, 50 chandails, ok? 50 chandails, ok? Donc, je vais commencer par les plus serrés jusqu'au moins serré, ok? Donc, déjà, ça fait 1. Okay. Et déjà, on doit dire si vous avez une première dizaine, ok? C'est vraiment un gros sport, 15. Je pensais pas être essoufflée avec des chandelles, mais là... Je me sens tellement comme une douche bague. Là, je sais que j'ai pas assumé ma tête en la voyant. J'ai pas assumé, je sais. J'essaierais de comme mettre mes bras comme ça, ça marcherait même pas là. Ouais. Et je me sens comme si je me suis entraînée, ok? Vos papiers, s'il vous plaît. Je me sens comme les policiers là. J'ai fait ce que je pouvais, guys. Je suis vraiment essoufflée, mais je vous mets au défi aussi de le faire. Merci beaucoup! Good job pour vrai! Si t'es comme moi et t'as même pas 37 chandails, tu peux pas participer au défi. Mais si t'as plus que 37 chandails et tu veux essayer de battre le défi, hey, why not? On t'encourage à le faire. On finit avec le dernier segment. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui, donc c'est les combos douteux. C'est Ariel cette semaine. Ça a été un petit peu moins bien que la première fois, je te dirais. Elle a une thématique, je pense. Ouais, il y en a une thématique, un ingrédient thème, puis ça va pas bien. Ça va pas bien. Ça va pas. On écoute ça. On écoute ça. Je m'appelle Ariel, je fais partie d'Influence, Leadership, you know, Great Team, de la famille MCI. On est là, combo douteux. Aujourd'hui, c'est Red. En fait, on a un ingrédient thématique.
cette fois-ci, puis je vais vous lire les ingrédients qui forment l'ingrédient. Donc, l'ingrédient thématique est fait de huile de canola, eau, d'œuf entier liquide, de vinaigre, de jaune d'œuf liquide, sel, sucre, épices, jus de citron. Et voilà, I guess que vous avez aussi deviné la mayonnaise. Déjà, Yaritza est déjà chaudée là. Yaritza est chaud parce que, oui, je vais essayer ton truc. Oh my god. Ok, bon. Qu'est-ce que je vais combiner avec la mayonnaise? Trois choses. Oreo, shout out à Jessica Normil. Melon d'eau, shout out à Yaritza. Puis la banane, shout out à cannelle. Cette fois-ci, j'ai de l'eau parce que, non, vous savez déjà, c'est horrible. Faut juste pas que je vous oublie parce que comme... Déjà, la mayonnaise, c'est quand même lourd. Oh mon Dieu. Ok, bon, on commence. Je commence avec le pire. Je sais que lui, ça va être horrible. Moi, je dis que lui, c'est le pire. On y va. J'aime tellement le melon, mais là, avec la mayonnaise, man. Ok. Je voulais pas que ça sorte trop comme ça. Ok. Oh, yark. Ok, let's go. I'm back. J'aurais dû faire comme Emmanuel, m'amener un petit sac de poubelle. Je l'ai pas fait. Je vais boire de l'eau au moins. Oh non, j'ai craché la heure. Oh yark. Oh, mais c'est dégueulasse. Mais t'as trouvé ça où, wesh? Next. Ok, je me suis amené un petit truc pour cracher parce que comme c'est off, off. On y va avec les Oreo. Jessica, I got this. Get. Yo, en plus, j'aime tellement pas le biscuit Oreo. Genre, je sais pas, je trouve ça tellement comme... ordinaire. Yeah, man! Non. Oh, je voulais faire la teuf. C'est pas bon. Pause! Ok, là, je vais dire... prier pour mon ventre pour d'ailleurs. Parce que moi j'ai pris le spécial mayonnaise comme si ça allait passer, mais non. Je regarde la banane puis je suis comme, j'ai déjà envie de vomir. La banane est un de mes fruits préférés. J'ai dit alors que I got this pour les Oreo puis mayonnaise, mais définitivement j'ai vomi l'affaire. Je peux pas dire I got this. Je pense que la mayonnaise pour le reste ça tue tout. Là, je fais vraiment exprès de comme mettre assez là pour vous voyez que comme hein, je triche pas. Hein. J'ai envie de pleurer. Ok, allez, posez à garder. Non, je la bouge. I'm back. Vous savez quoi? Tout ce qu'il y a de la mayonnaise là dans vos combos douteux, moi je laisse ça à Emmanuel en fait. Ok? Comme. Non. C'est off. Et c'est... Non, il faut pas essayer à la maison. À ne pas faire à la maison. Il y a déjà des trucs qui se passent dans mon ventre là. En tout cas, priez pour mon ventre, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci à Jessica. Merci à Yaritza. Merci à Canel. On se revoit au prochain combo douteux et je vous laisse avec Marine et Stéphane. Peace. Wow, bon courage Ariel, good job. On prie pour ton estomac, que tout se rétablisse, que tout aille dans le bon ordre. La maillot, moi j'aime pas la maillot, fait que courage à toi, good job, c'est vraiment en tout cas. Good job. Oubliez pas d'écrire vos combos douteux pour donner des nouvelles idées à nos talentueux et courageux. Goûteur. On va dire ça. C'est tout pour aujourd'hui.
C'est tout. Ça finit. Ça passe vite. Ça passe vite. Ça passe vite à chaque semaine. Le temps passe vite en bonne compagnie. C'est ça. Merci à toute l'équipe, à tous les deux qui sont impliqués dans le projet. Merci également au pasteur qui nous donne l'opportunité de faire ce projet-là. On est vraiment bénis. Mm-hmm. Oui. Si quelqu'un qui écoute, vidéo en ce moment, il n'y a pas de groupe connect. Ah, oh, groupe connect! T'as entendu parler de ça? C'est quoi ça, groupe connect? Qu'est-ce qui se passe? Donc, un groupe connect, on en parle à chaque semaine, mais c'est vraiment important pour nous qu'on puisse connecter avec toi digitalement, mais qu'on puisse juste savoir que tu vas bien. Donc, si jamais t'as pas de groupe connect, tu peux aller sur le site internet de l'église directement. Tu vas dans la section trouver une connect, puis tu rentres tes informations et quelqu'un va prendre contact avec toi. Juste pour rester connecté, le but c'est juste que tu puisses avoir des gens qui puissent connecter avec toi. Ça fait 8 fois que je le dis, mais c'est vraiment l'objectif, ok? C'est pour ça que ça s'appelle un groupe connect. On peut être sûr, come on, qu'on puisse être sûr que tu vas bien, que tout se passe bien, puis qu'on puisse répondre à tes questions, puis que tu puisses faire des amis en même temps. Ensuite, y a-t-il quelque chose qui s'en vient? Je sais pas. Non? Non. T'es sûr? Je sais pas, t'inquiète pas. Ben, y'a pas un samedi qui se passe de quoi pour les girls! Come on, girls! Oh my god! Ok, juste sois prête parce que ça va être hot and dangerous. Pour les filles qui le savent pas encore, ou pour même celles qui le savent, pour un rappel, on a un événement qui s'en vient le 16 mai à 10h sur la chaîne YouTube de MCI Canada. C'est l'événement en ligne, brunch avec tes amis. Donc on veut recréer le brunch qu'on fait normalement les samedis matins avec nos amis. You mais know là, it, girl. Mais là, ça va être chacun chez nous à notre maison, mais on va tous se connecter en direct sur YouTube. On a vraiment hâte de passer du temps avec toi. N'oublie pas d'aller t'inscrire sur le site internet de mcigc.ca dans l'onglet événements, tu vas pouvoir trouver l'événement brunch avec tes amis. On veut t'avoir avec. Come on, girl! Donc, si vous avez aimé aujourd'hui, on vous encourage à nous donner un petit like pour nous encourager. Aussi, si c'est pas déjà fait, vous pouvez suivre la page et activer les notifications pour être sûr de savoir qu'est-ce qui se passe avec MCI Canada. Aussi, on vous encourage à partager avec vos amis la vidéo pour que tout le monde soit au courant de qu'est-ce qu'on fait à Influence TV. Yes, sir. Yes, sir, Miller. On se retrouve dimanche. Dimanche! À 10h ou à 12h30, ou les deux, pourquoi pas. Cette semaine, c'est Pasteur Ben qui nous enseigne, puis on a vraiment, vraiment hâte d'entendre qu'est-ce qu'il y a à vous dire, à dire, à nous dire. Ouh! On a vraiment hâte d'entendre ça. Donc, c'est tout pour nous, guys. Passez une très belle fin de semaine, puis connectez-vous dimanche matin. On a hâte d'être avec vous. On est connecté digitalement, mon ami. Ta 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 ta! Kevin!